Bonsoir à tous et à toutes les personnes qui me suivent. Je voudrais remercier particulièrement les personnes qui m'encouragent dans l'activité que je mène, l'activité qui est ma marque de vêtements DKM. Je voudrais remercier ici les personnes qui sont les clients de ma marque. Ce soir, ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole, mais ce soir j'ai décidé, n'est-ce pas, de pouvoir aussi parler. C'est-à-dire que il faudrait que les gens entendent aussi ma voix sur l'actualité camerounaise, notamment mon avis sur Maurice Kamto, mon avis sur la question de liberté au Cameroun, mon avis sur les comportements de beaucoup de personnes sur la toile. Moi, en tant qu'un vieux blogueur, je devrais, n'est-ce pas, aussi prendre la courage, je devrais courageusement prendre la parole et donner mon avis. Voilà, bonsoir à Ariane Ayana, qui est très polie d'ailleurs, qui a pris la peine de me transmettre la politesse. Voilà, je commence par parler de le premier sujet qui m'intéresse ici, je vais le mettre. Comment je vais l'épingler ce sujet-là? Voilà, mon avis sur l'actualité politique camerounaise. Je commence déjà par parler de Kamto, du professeur Kamto, parce que c'est la personnalité qui est d'actualité en ce moment, mon avis. Qu'est-ce que je pense de l'arrivée de M. Maurice Kamto à Paris? Qu'est-ce que je pense du MRC? Je voudrais bien donner mon avis parce que nous sommes en politique et chacun a un avis à donner. Voilà, avant de commencer de parler du professeur Maurice Kamto, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque les Camerounais ont connu le professeur Maurice Kamto, c'est sur l'affaire Bakassi. Je pense que je demande aux Camerounais d'avoir beaucoup de respect pour ce monsieur parce que c'est quelqu'un qui a. C'est un monsieur qui a donné du sien pour le Cameroun et il mérite d'être respecté. Si d'ailleurs il avait été choisi par le président Paul Biya pour la dite mission, c'est simplement parce qu'il avait qualité. C'est-à-dire que le président Paul Biya avait vu en professeur Maurice Kamto la qualité. De cette qualité, il avait vu qu'il avait cette que monsieur il a, dans le président Pobi, il avait vu que Maurice Kamto il faisait partie des personnes qui pouvaient, n'est-ce pas, défendre vraiment le Cameroun. Quand je vois des personnes qui vilipendent le professeur Maurice Kamto sur Internet, je me dis que ces personnes, c'est pas des nationalistes, c'est pas des gens qui aiment le Cameroun. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, pour ce qu'il a déjà eu à faire. Voilà, Monsieur Maurice Kamto est quelqu'un qui est allé défendre le Cameroun lorsque le Cameroun a essayé. C'est-à-dire que la mission de Maurice Kamto est une mission comparable à celle que mènent aujourd'hui nos forces armées qui défendent le territoire. C'est-à-dire que l'armée du Cameroun défend le territoire et ce que le professeur Maurice Kamto avait fait à cette époque était défendre le territoire d'une manière juridique et c'était une victoire. Donc Monsieur Maurice Kamto est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier dans l'histoire du Cameroun, déjà à cette époque-là où il a donné de son temps, de son intelligence, n'est-ce pas, pour que le Cameroun reste avec, pour que le Cameroun occupe, récupère son territoire Bakassi. Je veux que chaque Camerounais qui parle du professeur Maurice Kamto ait le souvenir de cela. Lorsque vous savez que un monsieur a participé, un monsieur a eu à c'est-à-dire qu'a donné du sien pour un tel effort, vous pouvez pas vous mettre à le traiter de n'importe quoi. Vous voyez? Donc, je voudrais dire ici à toutes les personnes qui parlaient de Monsieur Maurice Kamto n'importe comment, qu'ils aient déjà le souvenir que Monsieur Maurice Kamto s'est battu pour le Cameroun. Voilà, il a fait partie d'une équipe qui a gagné Bakassi. C'est-à-dire que le rôle du professeur Maurice Kamto dans l'histoire du Cameroun est comparable au rôle qu'a joué Samuel Eto'o, qui a gagné deux Coupes d'Afrique. Le rôle qu'a joué le professeur Maurice Kamto pour le Cameroun est comparable au rôle qu'ont joué
les héros nationaux pardon, tels que Oumiobé, Wandi, voilà, c'était les nationalistes, les gens qui sont battus pour le Cameroun. Donc, Monsieur Maurice Kamto entre dans le rang des Camerounais. Il entre dans le rang des Camerounais qui ont mouillé le maillot pour que ce pays soit ce qu'il soit. Et pour cela, je vous demande d'envoyer des cœurs pour lui. Voilà, on ne peut pas voir ce monsieur comme un ennemi du Cameroun. Voilà, on doit déjà le regarder. C'est-à-dire que quand vous parlez d'un monsieur, quand vous parlez déjà de lui, vous devez reconnaître que c'est grâce à... Il fait partie des personnes qui ont combattu sur le plan juridique le Nigeria pour que nous gardions, n'est-ce pas, notre territoire. Voilà. Ceux qui sont d'accord avec ça, envoyez les cœurs. Si vous n'envoyez pas les cœurs, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord ou pas. Mais là, je suis en train de vous étaler ce que je pense. Je n'ai jamais été un Camerounais qui prône la haine. Je n'ai jamais été un Camerounais qui est sur Internet pour prôner la division ou alors un Camerounais qui veut, n'est-ce pas, changer les choses en manquant de respect aux personnalités. Moi, j'ai un grand respect pour l'ensemble des Camerounais. J'ai un respect profond pour des personnes qui dirigent notre pays. Voilà. C'est à vous de me classer où vous voulez me classer. Comme je viens de vous dire que je respecte Maurice Kamto, je vous dirai plus tard aussi également là où moi je pense qu'il a fait des erreurs. Voilà. Le problème avec les Camerounais, c'est quoi? C'est que je viens de vous dire en quoi moi j'apprécie le professeur Maurice Kamto. Mais ayez la capacité, vous, de supporter lorsque je vais maintenant vous dire là où je n'ai pas été d'accord avec Maurice Kamto. J'ai fait une publication il y a quelques temps, il y a quelques heures sur ma page où je disais que est-ce que c'est encore la politique ou encore où nous sommes dans une église réveillée? Tous les Camerounais doivent savoir quelque chose. Il n'y a plus de Camerounais naïfs. Il n'y a plus de... Les yeux des Camerounais sont ouverts. Atéba Yéné a ouvert les yeux des Camerounais. Owonan Guinée a ouvert les yeux des Camerounais. Alain Foguet a ouvert les yeux des Camerounais. Canal 2 a ouvert les yeux des Camerounais. Equinox ouvre les yeux des Camerounais. Vision 4 ouvre les yeux des Camerounais. Toutes ces personnes qui débattent sur les problèmes du Cameroun ouvrent les yeux du Cameroun. Donc, peu importe le Camerounais qui veut diriger le Cameroun, il sera critiqué, il sera attaqué, il sera vilipendé. Que vous soyez Cabralibi, que vous soyez Kamto, le président Paul Biya, lui, il est déjà habitué de ça, qu'on le vilipende. Mais, parlant du professeur Maurice Kamto, je reste lui. Je vous ai dit que je demande à tous les Camerounais d'avoir du respect pour le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto s'est battu pour le Cameroun. Donc, quand n'importe qui vient insulter le professeur Maurice Kamto, il faut qu'il soit sûr. Il faut qu'il se pose la question, est-ce que moi, j'ai fait le quart de ce que Maurice Kamto a fait pour le Cameroun. C'est un monsieur qui a été au charbon pour que ce pays récupère l'île de Bakassi. C'est un monsieur qui a, pendant huit belles années, servi notre pays. Voilà. Plus tard, le professeur Maurice Kamto est dans le MRC. Le MRC, qui est un parti qui a attiré beaucoup de convoitises, parce qu'il y a beaucoup de personnes intelligentes là-dedans. Il y avait des messieurs comme Maître Sikati, Maître Sim, Alain Foguet. Voilà des gens qui ont tellement débattu pour le MRC bien avant les élections. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont dans l'élection, tout simplement parce que je ne sais même pas. Je vois beaucoup de Camerounais aujourd'hui en train de parler de Maurice Kamto, en train de parler des MRC, tout simplement. Certains le font par affiliation tribale. Parce que lorsque nous, sur Facebook, nous parlions de politique, lorsque nous parlons de ces choses, oh, ils n'étaient pas là. Voilà. Lorsque nous, on suivait les débats, nous avons aimé le Cameroun. Nous suivions les débats télévisés, les débats rudes. Depuis fort longtemps avant les élections, beaucoup de Camerounais qui aujourd'hui ont introduit la haine dans la politique n'étaient pas là, mes frères. Vous n'étiez pas là. Vous êtes entrés dans l'affaire là. Beaucoup sont entrés dans l'affaire là parce que c'est un frère du village qui est là-dedans. La politique, ce n'est pas une histoire religieuse. Lorsqu'on suit un homme politique, on suit un homme politique pour ses convictions. C'est-à-dire que l'homme politique n'est pas un pasteur. Tous les Camerounais veulent le changement.
Les Camerounais qui sont sincères veulent le changement pour tous les Camerounais. Un vrai Camerounais ne vient pas sur Internet appeler les gens sardinards. Un vrai Camerounais ne vient pas sur Internet appeler ses compatriotes talibans. Un vrai Camerounais ne vient pas sur Internet traiter les gens de tontina, sardina. Toutes les personnes qui emploient ces expressions sont sur Internet pour se faire voir. Lorsque vous avez du respect pour vos compatriotes, lorsque vous n'êtes pas un tribaliste, lorsque vous êtes quelqu'un qui est vraiment, qui a du sang camerounais, lorsque vous voyez tous vos compatriotes comme vos frères et sœurs, vous ne pouvez pas les traiter, vous ne pouvez pas leur attribuer des noms d'oiseaux. Vous aimez la haine. Vous êtes attaché aux personnes qui prônent la haine. Vous aimez ça. On ne peut pas construire comme ça. Lorsque quelqu'un se met en direct et qu'il insulte le président qui dirige notre pays, vous êtes content, vous êtes toujours affilié aux gens qui insultent. Est-ce que notre pays va être construit dans la haine? Vous voulez quoi? Que je me mette sur Internet? Vous voulez que je me mette sur Internet? Maintenant, je commence à dire que bon, moi, je suis sardinard. Vous voulez que je me mette sur Internet? Je commence à dire je suis sardinard et que je commence à insulter les Bamiléké? C'est ça, c'est le discours. C'est le discours qui vous convient. Toutes les personnes qui aiment le Cameroun sont dans la construction de notre pays. Chacun met sa pierre à l'édifice pour que le Cameroun avance. Mais la plupart des personnes aujourd'hui que je vois ne sont pas dans cette optique de construire une nation. Ils sont dans une optique, dans une optique de division. Comment un Camerounais peut venir sur Internet se mettre à insulter des personnalités? Moi, je demande aux Camerounais de ne pas insulter le professeur Maurice Kamto, de ne pas vilipender ce monsieur. Vous pouvez, c'est un homme public. Le professeur Maurice Kamto est un homme public, il mérite d'être critiqué. Mais il ne mérite pas d'être insulté, ni même le président Paul Biya. Apprenez, c'est-à-dire qu'ayez une conduite sur les réseaux sociaux que vous pouvez recommander à vos enfants. Quand vous êtes sur Facebook, comportez-vous comme vous pouvez recommander à vos enfants de se comporter. Tu ne peux pas venir. J'avais une femme aujourd'hui en train d'insulter les gens sur Facebook, mais c'est terrible. Comment tu peux venir sur Facebook, un homme politique aspire à diriger le pays. Un homme politique aspire à diriger le pays. Et s'il ne parvient pas à le faire, s'il ne parvient pas à le faire, il peut vous, c'est-à-dire que s'il n'a pas pu le faire, vous pouvez respecter la personne. Je reviens sur Kamto. Je reviens sur Kamto parce que je vais parler, moi, je vais donner mon avis maintenant sur Kamto, ce que je pense. Voilà, moi, ce que je dirais du MRC, le MRC aujourd'hui, le comportement du MRC, pour moi, n'a plus grand-chose à voir avec un parti politique. Dans un parti politique, le leader ne doit pas être vu comme un divin. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le MRC. Dans un parti politique, lorsqu'on n'est pas content avec la démarche du parti, on râle. C'est quoi? Le MRC est devenu tout ce que Kamto dit, c'est vrai. Mes amis, on n'est pas en politique. Tout ce que Kamto ne fait jamais d'erreur, ce n'est pas la politique. Vous n'êtes plus dans la politique, vous êtes dans l'église réveillée. Et moi, je vous dis ça. Et moi, je vous dis que la décision de ne pas participer à ces élections est une erreur fatale. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Si moi, j'étais membre du MRC, j'allais râler. La décision du MRC de ne pas. Dans le MRC, les gens ne se plaignent pas parce que c'est une seule personne qui décide et c'est une mauvaise chose. Moi, j'ai apprécié Kamto. Là, il faut apprécier Kamto, mais j'ai dit sa non-participation à l'élection présidentielle, à l'élection, aux élections qui se passent, ça a tué son parti politique. Moi, je le dis. Bah, évitez d'être dans une église, même dans un parti politique, même dans le MRC, quelqu'un doit être capable de dire que je ne suis pas d'accord, professeur. Vous ne pouvez pas être dans un parti, vous êtes complexé parce que celui qui dirige le parti a des diplômes. Non, c'est une erreur. Le peuple camerounais aime le débat politique. Un pays ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a la guerre au Nosso. Arrêtez de dire que on ne doit pas faire les élections parce qu'il y a la guerre au Nosso. La guerre au Nosso, il y a des sécessionnistes qui ne veulent pas arrêter cette guerre. L'État doit être fort. L'État ne peut pas céder. Les Ambazoniens ne veulent même pas la fédération. Les Ambazoniens ne veulent pas. Tout ce que les Ambazoniens viennent, c'est diviser le Cameroun. Je pose une question. Si Kamto était au pouvoir,
Qu'est-ce qu'il allait proposer aux sécessionnistes? Il allait accepter de diviser le pays? La guerre anglophone persiste parce que eux, ils ne veulent rien, ils veulent que la division du pays. Et force au président Paul Biya qu'il ne l'accepte pas. Ceux qui suivent Kamto, Kamto devait résoudre la crise anglophone comment? S'il était président, il devait accepter de diviser le Cameroun. Les sécessionnistes, ceux qui dirigent, ceux qui commandent la crise anglophone sont aux États-Unis. Ce n'est pas les gens qui ont faim. Ce n'est pas les gens qu'on va flatter. Donc, l'État doit être fort. Ce que le président Paul Biya a fait d'accepter ces élections est normal. L'État ne se plie pas. Les sécessionnistes ne peuvent pas plier l'État du Cameroun. Mes amis, non, je ne suis pas d'accord. Donc, les élections doivent se tenir. Parce que ceux qui maintiennent la crise anglophone, ce sont les sécessionnistes et depuis les États-Unis, les gars qui font ça. Ils vont nous plier, ils vont plier le gouvernement camerounais. Donc, chaque fois qu'il y a une crise au Cameroun, chaque fois qu'il y a une crise au Cameroun, chaque fois qu'il y a une crise au Cameroun, il faut que l'État s'arrête. On n'organise pas les élections. L'État doit être plus fort. Et ce qui s'est passé, c'est que l'État était fort plus que les sécessionnistes. Les sécessionnistes veulent plier l'État du Cameroun. Comment est-ce que le professeur Moïse Kanto peut dire qu'il ne fait pas les élections parce qu'il y a une crise? Ok, il y avait la crise Boko Haram. Il y avait la crise Boko Haram. Donc chaque fois qu'il y a une crise, il faut arrêter les élections. Le pays ne doit pas fonctionner. Non. Quand vous devez diriger un pays, vous devez être fort. Mon ami, quand il y a un mort dans une famille, quand quelqu'un est mort dans une famille, on continue. Je ne comprends pas les raisons du MNC de donner, les raisons du, c'est-à-dire cette raison de dire qu'il ne devait pas avoir l'élection au Cameroun parce qu'il y a la guerre dans le Nord-Sud. La guerre dans le Nord-Sud est entretenue par les sécessionnistes. Et si vous voulez que la guerre s'arrête dans le Nord-Sud, combattez les sécessionnistes. Si vous voulez que la guerre, la solution de la guerre du Nord-Sud, c'est que ceux qui veulent que la guerre s'arrête, l'État ne peut pas se plier. L'État du Cameroun ne va pas se plier face à ceux qui lui font du chantage. Moi, j'aime les États forts parce que si l'État n'est pas fort, parce que si l'État du Cameroun n'est pas fort, on peut nous envahir. Regardez toutes les crises que le Cameroun a traversées. On nous dit. Regardez toutes les crises que le Cameroun. Donc, chaque fois, le MSC nous dit donc que chaque fois que le Cameroun a une crise, chaque fois que le Cameroun est dans une crise, il faut qu'on arrête, on arrête, le pays s'arrête de fonctionner. Non. Le président Paul Biya a maintenu ce pays. Depuis il a cédé au pouvoir, il n'y a même pas une petite partie du Cameroun qui a été annexée par un pays voisin. Vous comprenez? Le MRC est un parti qui a apporté beaucoup dans la politique camerounaise. Il n'avait aucune raison de fuir l'élection là. Parce que, vous savez, vous allez beau dire que. Les membres du. Il y aura beaucoup de. C'est-à-dire que le RDPC peut avoir 100 députés. Mais un parlement où il y a. Un parlement où il y a même 5 membres du MRC. Il y a Cabral Ibi. Il y a Matumba. Il y a certaines personnes. Ce parlement-là peut avoir un. Peut porter la voix du peuple. Un parlement. Si le parlement du Cameroun où il pouvait avoir Madame Doki. Comme député, où il pouvait avoir Bibou Nissa comme député, peut-être Cabral Ibi, c'était un parlement qui allait être jeune. Ils ont fui les élections. Ou fui les élections. Même ce n'est pas la quantité de députés qui fait un parlement. Il y a des députés, un seul député. Un seul député. Un seul député peut bouger un parlement. Vous avez vu, oui, bah. Vous avez vu Ouiba. Hein? Ouiba. C'est que Ouiba a fait au Parlement. Ce n'est pas Ouiba qui a bougé, tout seul, qui avait tenu un discours là-bas, qui a galvanisé tous ces sécessionnistes. Un Parlement avec Cabral Ibi, Matumba, je sais pas comment elle s'appelle encore, Madame Doki, un parlement d'une dizaine de pépites comme ça, mais laissez tomber.
Vous pensez que tout, même s'il y a 100 RDPistes, même s'il y a 100 RDPistes, mais un parlement de tout ça. Le MRC n'est pas dans une démarche à. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans une ligne seule. Le MRC est dans sa ligne. On me dit, mon image est brûlée, je ne comprends pas. Le MRC ne tient pas compte qu'il y a d'autres partis politiques. Eux, ils sont. Vous voulez boycotter une élection. Vous n'avez aucun parti qui s'est allié à vous. Vous n'êtes pas seul dans l'opposition, le MRC. Vous faites la politique vraiment d'une mauvaise manière. Parce que même dans l'opposition, vous ne pouvez pas être dans l'opposition et que aucun autre membre de l'opposition s'est allié à vous pour un boycott. Vous boycottez l'élection. Quelqu'un dit, hey, papa, un député fait quoi? Kamto le sauveur. Il y a un député qui s'appelle Ouiba. Ouiba tout seul, ce qu'il a fait dans le Parlement là, c'est que Ouiba a fait tout seul dans le Parlement là, le discours qu'il a tenu. Une seule personne, il s'est fait entendre. Vous comprenez? Vous croyez que on vous nomme président de la République, chaque fois qu'il y a une crise, vous arrêtez, le pays ne fonctionne pas? Je vous pose la question. Hein? Donc vous êtes en train de dire que si toi tu es président de la République, à chaque crise, le pays ne fonctionne pas. Ben, s'il fallait faire cela, c'est que lorsqu'il y avait Boko Haram, le Cameroun allait s'arrêter. Je pense que le Cameroun va changer petit à petit comme toutes les autres nations. Vous voulez le changement pour vous seul. Si le MRC doit d'abord avoir l'adhésion de l'autre opposition, vous ne pouvez pas fonctionner tout seul. La manière que le MRC fait l'opposition, mais si le MRC est au pouvoir, je peux vous garantir que le Cameroun sera dans une dictature énorme. Parce que le MRC choisit ses médias, d'abord. Le MRC est un parti qui choisit là où eux, ils parlent. Les chaînes de télévision qui sont contre le MRC ne va pas là-bas. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je me demande donc si les Camerounais veulent le changement. Les Camerounais ne veulent, les Camerounais là, les gars du MRC, vous n'êtes pas, vous voulez le changement que à votre manière. Vous ne tenez pas compte qu'il y a des Camerounais qui pensent autrement. Pour vous, il n'y a pas d'autres opposants. Les Cabral Libii, les Matumba, ils ne servent à rien. Ben non, dans une république, on compose avec les autres. Un parti à lui tout seul ne peut pas décider que non, l'élection n'aura pas lieu. Et je peux vous garantir, c'est une erreur. Le MRC est allé mourir tout seul. C'est par magie que le MRC va revenir. Vous êtes dans un parti politique, Kamto décide tout seul. C'est Kamto qui dit tout, c'est vrai. Bobby Lawrence, Weeba talk, but nothing didn't change, my brother. C'était ce que Weeba avait fait au Parlement, il avait pris la parole. Dans ce Parlement-là, il y a des députés qui parlent. Mes amis, la démocratie, tout ce que vous voulez là au Cameroun, là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas à votre rythme. Sachez une chose, maintenir le pays là dans la paix, maintenir le Cameroun là pendant 37 ans, pendant plus de 30 ans, sans qu'il y ait une guerre, sans qu'il y ait... Ayez le souvenir que le président Paul Biya a maintenu ce pays pendant une trentaine d'années. Il y avait pas, vous y avez vécu tranquillement, il n'y avait pas de guerre là-bas. Regardez l'Ambazonie. Regardez l'Ambazonie, ils sont en train de s'entretuer entre eux. Entre eux-mêmes, ils ne peuvent pas gérer l'Ambazonie. Même les Ambazoniens n'arrivent pas à se gérer. Même les Ambazoniens, ils n'arrivent pas à se gérer. Ils n'arrivent pas. Ils s'entretuent entre eux. Regardez, j'ai vu une vidéo où les Ambazoniens, ils ont arrêté un monsieur là. Ils ont regardé la violence que les sécessionnistes font. Ils ont arrêté un monsieur, ils l'ont demandé de se laver avec le sable. Ils ont arrêté un monsieur. J'ai vu la vidéo, je ne peux pas publier une vidéo pareille. Ils arrêtent quelqu'un, ils ont dit qu'il se lave avec le sable. Vous avez vu la cruauté des Ambazoniens sur eux-mêmes? Il y a 20 personnes. Il y a 20 personnes qui sont mortes à Boui.
tués par les Ambazoniens eux-mêmes. Ils s'entretuent entre eux. They are killing themselves, Ambazonian people. Entre eux, ils se mangent. Quand quelqu'un dit, cette crise anglophone-là, mes frères, ceux qui alimentent cette crise anglophone sont, ce sont des sécessionnistes sur les réseaux sociaux qui alimentent ça. Dans le RDPC, il y a des gens qui critiquent le pouvoir. Dans le RDPC, il y a des gens qui critiquent le président Paul Biya. Dans le MRC, mon frère, quelqu'un peut ouvrir sa bouche. Un gars du MRC ne peut pas ouvrir sa bouche, Kamto. Expliquez-moi, si on n'a pas seulement donné des centaines de milliards au MRC, comment est-ce qu'ils peuvent boycotter une élection pour ne pas exister? Bobby Lawrence, why you lying? You say no one is killing no one? Bobby Lawrence. Hein? Bobby Lawrence dit que les Ambazoniens ne se tuent pas. Bobby Lawrence, voilà un angle. Il dit que les Ambazoniens se tuent. Allez, regardez leur part. Il y a 20 personnes que eux-mêmes, les Ambazoniens, ils ont tué leur propre frère. Personne ne veut parler ça sur la toile. C'est sur leur page. Ils se kidnappent entre eux, ils tuent les gens et on accuse l'armée du Cameroun. Eux, ils s'entretuent entre eux. Hein? Les Ambazoniens se tuent entre eux. Quelqu'un dit qu'il faut que la guerre d'anglophone s'arrête, que c'est le Cameroun qui les demande de s'entretuer entre eux. Vous ne voulez pas relayer, parce que vous ne voulez pas relayer l'information. Il y a 20. Ils se sont entretués entre eux. Il y a 20 personnes qui sont recherchées. Allez sur les pages d'Éric Tato. Vérifiez l'information. Ils s'entretuent entre eux. Les groupes armés anglophones s'entretuent entre eux. Là-bas, vous ne voulez pas parler. Vous dites que c'est les militaires qui les tuent. Il y a une vidéo où ils ont demandé, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi cruel. Les sécessionnistes ont arrêté un anglophone. Ils lui ont demandé de se laver avec le sable. On arrête quelqu'un, on dit qu'il se lave avec le sable. Moi, je vous dis que l'histoire des boycotts, là. Moi, le boycotter l'élection, là. Ah non, il y a l'argent qui est passé dans ça. Parce que je ne comprends pas comment un parti politique peut refuser. Je ne sais pas sur quoi un parti politique compte. Si moi, j'étais dans le MRC, si j'étais membre du MRC, j'allais dire, Monsieur Kamto, non. Mais vous êtes dans un parti politique, vous ne pouvez pas dire non. Mais vous allez vivre, vous allez refuser de partir aux élections, mais vous allez consommer ces députés, ces maires. Vous allez go au rythme. Vous avez refusé les députés et les maires là, mais vous allez les consommer. Mais ce que moi je vais vous dire, c'est que si vous croyez que peut-être vous croyez que les gars qui sont en train de se battre pour être débutés, mais là, vont vous laisser, ça va être facile pour eux. Si vous croyez que c'est le système que vous allez affronter là, non. Les jeunes politiciens là qui aiment la paix là, les Matoma, les Cabralibi là, quand ils seront les députés de la nation là, les gars, vous n'allez rien faire. Les jeunes là qui se battent là pour être les maires, les députés là, voilà les gens que vous allez affronter. Vous pensez que vous allez encore affronter Yaoundé? Les petits gars là, qui sont en train de se battre pour être au Parlement là et tout. Vous pensez que vous allez venir affronter les gars là? Vous allez passer où? Mais la présidentielle, vous n'êtes pas là. Il n'y aura pas la magie. De quel peuple vous parlez, mon frère? Vous vous perdez, vous ne pouvez pas. Vous vous perdez. Vous êtes dans l'adoration. Kamto est devenu Dieu. Non, en politique, le leader politique n'est pas un Dieu. Il faut lui dire la vérité. Hein? Dans un parti politique, mon frère, regardez, si la manière que le MSC est géré, si le MSC prenait le pouvoir, oh non, non, non. La manière que le MSC est géré, si il prenait le pouvoir, non. Si tu ne chantes pas que MSC, tu es mort. Parce que les libertés, on parle de liberté. Dans le MSC, il n'y a pas la liberté. Personne ne critique Kamto. J'ai jamais vu quelqu'un du MSC critiquer Kamto. C'est le seul parti politique au monde où on ne critique pas le leader. J'ai jamais vu. Nous sommes en France, dans tous les partis politiques, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la démarche du parti qui s'expriment.
tous les gens du MLC sont dans l'adoration. C'est l'église réveillée. Non, on ne peut pas évoluer. Quelqu'un dit, quand tu dis va, je vais, c'est quoi ça en politique? Dans un pays où il faut que les gens réfléchissent. Quelqu'un demande que peut-on faire une élection quand il y a la guerre au Nosso? Quand il y a la guerre au Nosso, la guerre du Nosso, ce sont des sécessionnistes qui alimentent la guerre. Comment les armes entrent? L'État ne doit pas faiblir. L'État du Cameroun ne doit pas faiblir devant l'adversité. Le Cameroun est champion. Le Cameroun est 5 fois champion d'Afrique dans le football parce que nous, on ne faiblit pas. L'État, celui qui incarne les Camerounais, là, ne faiblit pas. Il y a eu Boko Haram. Il y a eu Boko Haram. Pourquoi vous n'avez pas dit que le pays arrête de fonctionner pour Boko Haram? Pourquoi c'est la crise anglophone? La crise anglophone, l'État a demandé aux gens de baisser les armes. Pourquoi vous profitez de la crise anglophone? Vous aimez trop les morts du Nosso. Récemment, on a tué des militaires au Nord Cameroun. Vous n'avez même pas mis des petits mots de compassion. On ne vous a même pas entendu parler là-dessus. Hein? Il y a eu des morts au Nord Cameroun, ce n'est pas votre problème. Pourquoi votre problème est sur le Nosso? On ne vous entend pas sur les sujets du pays. Pourquoi uniquement le Cameroun est un pays qui a ses problèmes? L'État est fort. L'État doit être fort. Je pense que l'État doit être fort. Parce que si l'État est faible, si l'État du Cameroun est faible, les gens ne peuvent même plus marcher. La guerre du Nosso. Les anglophones qui se sentent menacés dans le Nord, ils sont reçus ailleurs. Il faut maintenir la paix avec fermeté. Parce que c'est quand on est ferme, même dans votre vie. Même votre propre vie, si vous gérez votre vie avec légèreté, vous ne pouvez pas évoluer. On gère une famille avec fermeté. Voilà, c'est pas parce que c'est pas parce qu'une fille va te dire qu'elle ne t'aime pas que tu vas vouloir te suicider, mon ami. Mais je dis quand même, c'est pas parce qu'une femme t'a dit c'est fini, tu vas te suicider. Il y a un problème dans le Nord Sud. On propose des solutions. Les gars disent qu'ils veulent la sécession. Le président Paul Biya ne peut pas signer la sécession du Cameroun. Pour les sécessionnistes, la solution au problème anglophone, c'est la sécession. Pour le président Paul Biya, il est hors de question que les Camerounais soient divisés. Alors, lorsque les gens, le MRC parle de résolution du problème anglophone, qu'est-ce qu'ils disent au président Paul Biya? D'accepter la sécession? Oui, qu'il y a élection dans le Nord Sud. C'est normal. Il y a des morts là-bas, ce n'est pas. Le gouvernement se bat pour maintenir le territoire. Le gouvernement se bat. Mais entre-temps, il y a des gens qui ne veulent pas laisser des armes. Est-ce que vous êtes capable de dire à ces gens d'arrêter la guerre? On ne vous a jamais entendu. On a vu des gens sympathisants du MRC en train de glorifier un sécessionniste. On a vu des gens du MRC en train de glorifier ceux qui sont en train de tuer les gens là-bas. On a vu des gens qui disent qu'ils supportent Kamto en train de glorifier des tueurs. C'est pas possible. Vous croyez que le président Paul Biya assis là-bas, lui, il est fier de voir les gens mourir? Ça fait plaisir à quel Camerounais de voir les gens mourir? On dit aux sécessionnistes, on a dit aux sécessionnistes, laissez les armes. Les gars, non, les gars se font du beurre. Quelqu'un demande, donc, les gens, je me rends compte que les gens, les fanatiques même ne connaissent même pas ce que c'est que la crise anglophone. Les sécessionnistes demandent qu'on signe. Les sécessionnistes demandent qu'on signe la division du Cameroun. Celui qui a le mandat, celui qui gère tout le Cameroun, celui qui gère le Cameroun refuse ça et il a raison parce qu'il a reçu mandat des Camerounais. Il a reçu mandat des Camerounais de garder l'intégrité du territoire, chers amis. Si moi je gère le Cameroun, je n'accepte pas la division du Cameroun. Je fais comme le président Paul Biya fait. Je demande alors à ceux qui, au professeur Maurice Kamto.
Je demande au professeur Maurice Kamto. Je demande au professeur Kamto, est-ce qu'il allait donc faire quoi à la place du président Pobia? Accepter la volonté des sécessionnistes? Vous demandez la résolution du problème anglophone. Le président de la République utilise les moyens normaux. On a dit aux gars, laissez comme ça, donnez les mains. Les gars sont dans une guerre, ils sont en train d'être endoctrinés par des fous. Quelqu'un ici aux États-Unis, Eric Tatou. Eric Tatou assis aux États-Unis en train de donner les ordres au Cameroun en zone anglophone. Lui, il est lui bien. Eric Tatou donne les ordres de comment il faut affronter l'armée. Regardez, vous avez vu le bi? Vous avez vu l'armée que les gens sont dans la diaspora en train d'envoyer affronter l'armée? L'armée qui est tellement équipée. Quelqu'un reste là, il endoctrine les gens avec les directs. Il est assis avec son téléphone en train d'endoctriner un peuple. Et maintenant, au lieu que les gens qui aiment le Cameroun désendoctrinent ces gens, au lieu de dire la vérité, vous venez dire que oh, c'est le système qui a créé la crise anglophone. Quelqu'un demande quels sont les moyens normaux. Les moyens normaux, c'est quoi? L'État tient un discours d'apaisement. L'État tient un discours d'apaisement, de dire aux sécessionnistes arrêtez la guerre. Et c'est ce que Kamto devait faire. Kamto devait tenir le discours de dire aux sécessionnistes arrêtez la guerre. J'ai pas entendu ça dans. J'ai presque jamais entendu. Hein. Quand Kamto demande qu'il faut arrêter la guerre d'Ambazonie, il ne dit jamais ça. Donc Kamto ne regarde pas ce que les sécessionnistes font. Il regarde pour lui, c'est le gouvernement qui fait. Je pense que c'est un penchant. Je pense que c'est, je sais pas, le mot m'a échappé même ce que j'allais dire. Oui, Kamto ne dit jamais un sécessionniste, arrêtez de tuer vos frères. Parce que il sait très bien que les sécessionnistes ne peuvent pas tout seuls affronter le Cameroun. Chaque personne qui veut que la crise anglophone soit résolue doit dire, l'État, vous ne pouvez pas demander à l'armée du Cameroun de quitter un territoire. L'armée du Cameroun protège la nation. Mes chers frères, si vous avez encore des gens au Cameroun, vos papas, vos parents, c'est parce que cette armée existe. Oui, reconnaissez. Parce qu'aujourd'hui, les sécessionnistes qui font la guerre là, ils sont même en train de tuer beaucoup plus les anglophones. Les sécessionnistes qui sont là-bas, ils tuent qui? Ils s'entretuent entre eux. Il y a encore combien de francophones dans le Nord-Sud? Les sécessionnistes font la guerre avec qui? Ils vont arrêter un militaire et ils seront neutralisés combien? C'est une fausse guerre. Il faut leur dire, ayez le courage de dire aux sécessionnistes que vous ne pouvez pas affronter cette armée-là. Voilà. Ayez le courage de leur dire qu'ils courent dans le sac. Et que c'est mieux, l'arrangement, le meilleur arrangement possible dans cette histoire, c'est que, voilà, qu'on réfléchisse sur les meilleures conditions, qu'on réfléchisse sur les meilleures conditions de vie de tout le monde. Le statut spécial, moi, j'ai fui. Une des personnes a proposé ce statut spécial parce que j'ai vécu à Bilbao où Bilbao a un statut spécial. J'étais une des premières personnes à demander le statut spécial en zone anglophone parce que j'ai vécu dans une région au Pays Basque qui a un statut spécial. Voilà. J'ai demandé ça. On a même proposé le statut spécial. Les gars disent qu'ils veulent la sécession. Allez voir Marc Barreta. Allez voir Ivo. Allez, regardez leur page. Comment ils incitent à la haine. Ils incitent à la haine des francophones. Regardez tout ça. Vous ne pouvez pas. Tout Camerounais patriote doit avoir le courage de dire aux sécessionnistes que vous ne pouvez pas affronter l'armée. Arrêtons cette guerre et réfléchissons comment est-ce que les gens peuvent vivre, reprendre la vie normale. Parce que on ne peut pas accepter la division de ce pays-là. Laissez-nous avec les histoires de en 1961 à 1962. On est déjà mélangés. Mes frères, et comme vous êtes tellement habités par la méchanceté, vous avez la haine de ce gouvernement qui travaille avec tout le monde d'ailleurs. Vous voulez haïr un gouvernement qui vous a enrichi? Vous voulez haïr un gouvernement qui vous a aussi protégé? Ne parlez pas seulement de pauvreté. Vous avez vécu au Cameroun. Est-ce que vous avez connu la guerre? Qui a connu la guerre au Cameroun? Dit qu'il a connu la guerre dans ce pays-là, avant de quitter le Cameroun. Le Cameroun, les gens ne sont pas dans une misère aussi
étrange. Le statut spécial, moi je veux qu'il soit vraiment un peu, un tout petit peu comme le Pays basque et tout. Je veux qu'on leur donne des, on leur accorde un certain nombre de choses dans le statut spécial, mais qu'ils acceptent qu'on arrête cette guerre. Mes frères, il y a des morts même entre les sécessionnistes, ils se tuent entre eux. Antoinette dit le fédéralisme. Mais le fédéralisme était d'aller à l'Assemblée nationale et de le dire et de gagner. Couleur quoi? C'est quoi le fil conducteur du direct? Tu penses que j'ai mis. Voilà, je parlais de. Couleur quoi? Je parlais d'un tout petit peu de l'actualité dans l'ensemble. Là, j'abordais premièrement le sujet. Je donnais mon avis sur Kanto. Je parlais de pas mal de choses. Hein. Voilà, je parle déjà de. Je donne mon avis sur Kamto sur les élections après la crise anglophone et whatever. Kula quoi, toi qui me poses la question. C'est quoi le statut spécial? Qu'est-ce qu'on met? Attends. Qu'est-ce qu'on y met? C'est pas assez clair. Le cas de Bibo n'est pas le même que Douala. Kula quoi? Je vais te dire ce que je pense sur le statut spécial. Ce que je pense sur le statut spécial, ça veut dire que la zone, le Norso doit être reconnu comme une région un peu à part entière, qui a, voilà, qui a des spécificités. Voilà, le Norso peut avoir, ils peuvent même avoir, je sais pas, garder même, ils peuvent même, voilà, ils pouvaient même revendiquer l'appellation. Je pense qu'ils pouvaient revendiquer l'appellation en Amazonie, ça ne dérange pas les. Voilà, je pense que si le statut spécial, moi, les Ambazoniens, si leurs négociations peuvent être quoi? Ils peuvent revendiquer une appellation ambazonienne, qu'on appelle cette région, qu'on appelle officiellement cette région ambazonienne. Ils peuvent revendiquer une police. Voilà. Ils peuvent réclamer une police. Ils peuvent voilà, avoir une assemblée, ce qu'ils avaient un tout petit peu avant. On peut leur accorder ça, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, mais c'est une région camerounaise. Mais qui a. C'est une région qui a voilà certaines spécificités. Là-bas, c'est l'anglais. Là-bas, les décideurs, c'est des personnes de la région. Est-ce que c'est pas mieux? Hein? Mais vous êtes en train de parler de la crise anglophone. Les gars de la base qui parlent de la crise anglophone, vous ne la maîtrisez pas. Celui qui veut la résolution de la crise anglophone, qu'il aille parler à Tapang, qu'il aille parler à Marc Barreta. D'être aux États-Unis et d'encourager les gens de s'entretuer dans le Norso. Vous ne voyez pas ça, vous n'êtes pas bilingue. Parce que moi, je m'avais écouté là, je vois les énormités qu'il raconte. C'est-à-dire, tu prends ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu es en train d'encourager, d'organiser les fonds. Et je me demande comment est-ce que les armes entrent dans cet endroit-là. Hein? Oh mec, il y a des. Non, moi je donne 10 sur 10 au président Paul Biya de ne pas accepter la sécession. Reconnaissez-lui ça. Parce que si la crise anglophone, si le président Paul Biya avait écouté le MRC, ça veut dire qu'il doit accepter la sécession. Il doit signer que bon, le Cameroun est deux. Les sécessionnistes ne veulent pas le fédéralisme. Les sécessionnistes veulent diviser le Cameroun et ils font de l'argent là-dessus. Mes chers frères, la crise anglophone est maintenue parce que les gens qui parlent de la crise anglophone, qui alimentent ça, bouffent énormément d'argent dessus. Et ils ont la malchance que l'anglais, oh, nous parlons l'anglais. Quand ils font les directs où ils organisent les fonds, nous on suit. Le pays là. Tu vas te battre, toi qui me regardes là, pour qu'on soit un. L'unité d'un pays est un long combat. L'unité d'un pays là, c'est un combat que toi tu mènes, je mène. Mais le chemin que le MSC prend n'a rien à voir avec la politique. Je vous ai dit que vous êtes dans l'église réveillée. Maintenant, au MSC, c'est l'église réveillée. Ce n'est plus la politique qu'on fait ça, ce n'est plus la politique. Mes frères, moi, j'aime tellement le Cameroun que je sacrifie. C'est-à-dire que je sacrifie, j'avais dit, je ne parle même pas la politique, mais on est obligé de parler, vous dire la vérité. Au MRC, c'est l'église réveillée du MRC, ce n'est pas la politique. Kamto a pris un parti politique, il les a envoyés au champ. Et moi, j'ai dit, l'affaire là n'est pas simple. Parce que comment est-ce qu'un homme politique prend son parti politique, c'est-à-dire qu'il refuse d'aller à une élection, il enterre tout,
il entend l'avenir politique de tous les membres de son parti politique. Je pense que pour faire un truc comme ça, la gare, il faut prendre beaucoup d'argent. Je pense que pour accepter, pour qu'un leader politique tue l'avenir politique, pour qu'un leader politique accepte ce que Kamto a accepté là, ce n'est même pas 10 milliards. C'est quoi ça? Tu es dans la politique, tu refuses d'aller à l'arène pour la guerre du Nosso. Fini la guerre du Nosso, c'est accepter. C'est accepter la division de notre pays. On ne peut pas diviser le Cameroun. On ne peut pas aller au rythme des sécessionnistes. Les sécessionnistes disent que pas élection, les gens suivent. Les sécessionnistes disent que, ils disent que nous, qu'il n'y a pas élection au Cameroun, nous, on accepte le rythme. Les lions indomptables. Le lion indomptable de la politique, on ne marche pas sur lui. Cet esprit indomptable que Kamto a eu pour aller récupérer Bakassi, où on a lutté sur le plan juridique avec les Nigérians. Pourquoi est-ce qu'il faiblit? C'est-à-dire que le discours de Kamto, c'est de s'adresser aux gens qui alimentent la guerre anglophone. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui alimente la guerre anglophone. Voilà. Ceux qui contribuent les fonds pour acheter les armes là-bas, adressez-vous à eux pour arrêter la crise anglophone. Ceux qui endoctrinent ces gens. C'est bien curieux parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de gens qui aiment Kamto, qui ont montré leur amour. On voit Sandy Boston. Sandy Boston qui est allé crier Free Marshall. Sandy Boston a crié Free Marshall, un tueur, quelqu'un qui a assassiné des gens. Elle est assise à côté d'un leader politique, madame. Sandy Boston, tu es à côté du professeur Maurice Kamto et tu parles de Free Marshall? Vous aimez le Cameroun? Vous aimez le Cameroun, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous êtes devenu dans l'adoration. Mon Dieu, le niveau de. C'est-à-dire que le MRC avait levé le niveau de politique au Cameroun, mais là, ils ont baissé. On adore un leader politique, on le critique. Même si tu es dans le MRC, aie le courage de demander à M. Kamto pourquoi il n'est pas allé aux élections. Ce n'est pas pour le Norso. Le Norso persiste parce que cette guerre-là est entretenue de l'extérieur par des gros. Vendeur d'illusions, d'illusions. Attendez même, je vous parle même, il faut que je vous prouve. Il faut que je vous montre les visages des gens. Je vous montre les visages des gens qui entretiennent cette guerre. Oui, les visages des gens, ceux qui font la propagande là-bas. Mon frère, à un moment, on ne veut plus parler de ces choses, mais il faut qu'on vous dise la vérité. La crise anglophone est entretenue par des gens de la diaspora qui traînent avec vous. Hein? Monsieur Kamto ne doit pas jouer le jeu des sécessionnistes. Il doit féliciter. Monsieur Kamto doit féliciter le président Paul Biya d'avoir refusé la sécession. Vous savez très bien que le président Paul Biya a, n'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il avait cette légèreté, il pouvait signer ce que les. Il pouvait dire, j'arrête la guerre, j'accepte. Qui, dans ce direct, veut la sécession du Cameroun? Qui va accepter? Vous connaissez les gens qui occasionnent une guerre, vous venez demander des comptes aux gens. Le Cameroun, celui qui dirige le Cameroun a reçu mandat de sauvegarder le territoire. D'accord? Personne, il ne peut pas faiblir. Le président Paul Biya ne peut pas arrêter une élection. Il est là pour garder les institutions et pour que le pays marche. Voilà, il gère, le Cameroun avait une main de ferme parce que les Camerounais, c'est des gens, il faut pas donner du lait aux Camerounais. Quel boycott des élections? Et je vais vous dire, je vous l'ai dit, vous avez fait comme si vous n'allez pas comprendre que les jeunes leaders politiques au Cameroun, les jeunes là qui sont en train de devenir députés, ce sont vos futurs adversaires. Ce sont eux qui vont vous barrer la route. Si vous croyez un seul instant, c'est trop de, je sais pas. Si vous croyez un seul instant, que les gars là vont aller au Parlement. Ils vont aller au Parlement pour vous ouvrir la route en 2025. Mais vous vous trompez. Eric Tutor is a Cameroonian activist.
Hein? Vous connaissez. Non, mais c'est quand même étrange. C'est quand même étrange, gars. C'est quand même étrange parce que. N'aime pas le non-so, vous savez que ceux qui. Attendez. Voilà. Voilà. Voilà des gens qui manipulent. Voilà des gens qui manipulent les gens dans le Nord-Ouest. C'est des gens qui manipulent, qui leur disent qu'ils auront l'indépendance. Vous connaissez le visage des gens qui manipulent nos frères là-bas. Vous connaissez leur visage. Allez leur dire d'arrêter. Voilà. Voilà des gens qui sont. Il est aux États-Unis, celui-là. Eric Tato est aux États-Unis en train de. Il est aux États-Unis en train de manipuler les gens dans le Nord-Ouest. Il est en train d'encourager la guerre. Il est en train d'encourager de tuer les francophones. Il est en train de promouvoir la sécession du Cameroun. Vous le savez que ces gars sont en train d'encourager la sécession du Cameroun. Vous venez demander des comptes. Vous venez demander des comptes de la crise anglophone au Cameroun, alors que vous savez que ce sont nos frères, nos compatriotes qui sont en train d'encourager cela, parce que lui, il est assis au steak tranquille. C'est facile de tromper les gens. Tu prends ton téléphone, tu commences à manipuler les gens dans un pays où les gens ont faim, tu leur dis, on aura l'indépendance. Quelle indépendance ils vont avoir là? Qui peut accepter ça? Vous savez pas comment les Camerounais sont attachés à leur pays. Le Cameroun, là, que vous voyez, il n'y a pas un morceau du Cameroun qui va disparaître. C'est ça, vous allez voir le visage du Cameroun. Il n'y a pas un morceau. Il n'y a pas un petit morceau, un macabo du Cameroun qui va quitter là-bas. Vous savez qui. Je vous ai montré, voilà les gens qui endoctrinent les gens, vous les connaissez. Allez les attaquer. Celui qui veut que la guerre s'arrête au Nord-So, qu'il ait dit à Eric Tato d'arrêter l'endoctrinement. L'endoctrinement. Et cette stratégie d'endoctrinement des masses, c'est ce que les gens veulent faire avec les francophones. Mais ça ne marche pas. C'est ce que la base veut faire, endoctriner maintenant les francophones. Vous ne pouvez pas endoctriner les francophones. Parce que ce n'est même pas tous les anglophones qui ont été endoctrinés par cela. Voilà des gens qui restent dans. Ils endoctrinent des gens. Je n'ai jamais vu les gars de la base qui disent qu'ils aiment le Cameroun aller s'attaquer à ces gars-là. Somebody say I'm joking. Why am I joking? Les gens prient, ils ont pris une langue, disent que c'est leur langue. L'anglais, ce n'est pas la. L'anglais, le français ne sont pas nos langues. Vous comprenez? L'anglais et le français ne sont pas nos langues. Ne venez pas nous expliquer qu'il y avait les Anglais, il y avait les Français. Nous sommes pour l'unité, la nation camerounaise. La nation camerounaise, c'est toi et moi là. Aura. Il n'y a pas que les Anglais étaient venus en 1961. Les Français ont fait ceci. Et tout le monde doit la défendre. Et moi, je soutiens. Je soutiens. Ça n'a rien à voir. Je dis que je soutiens celui qui est sur ce penchant-là. Celui qui dirige le Cameroun. Si le président Paul Biya voulait arrêter cette guerre. De la manière que vous lui mettez la pression, il allait signer la sécession. Le président Paul Biya peut dire, OK, je signe, je vous donne l'indépendance. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'il ne le fait pas? Est-ce que vous vous rendez compte que cette erreur-là, il ne le fait pas? Vous demandez alors au gouvernement d'arrêter la guerre du Nord-Sud? Comment? Quand le type s'y fait ses bruits là-bas aux États-Unis, il endoctrine les gens, il collecte les fonds, il trompe les gens avec les histoires. Voilà This ça. is a fighter. A minute. From we don't know where big number is. We don't Voilà. escape a bullet. Voilà. You kill four Nguyen. You kill 23 fighters. And then they came. That incident that involved Chacha also involved three other police. Four. Voilà. Vous venez de comprendre dans le direct. Il dit they kill 23 personnes. He's saying they killed 23 personnes. Donc voilà un groupe ambazonien qui a tué 23 personnes. C'est ce qu'ils disent. Il dit, voilà les gens qui tuent, ils s'entretuent. Il dit, they killed 23 personnes. Voilà, il dit, they killed 23 personnes. Qui a tué 23 personnes? Pourquoi vous ne parlez pas de ça?
Ils ont tué 23 personnes, ces sécessionnistes-là. Je vais remettre, vous allez écouter. Comment ils ont tué, ils s'entretuent 23. Voilà Eric Tato qui dit qu'il y a un groupe amazonien qui a tué 23 personnes. Vous venez demander au gouvernement des comptes sur cette guerre? Vous ne pouvez pas leur dire d'arrêter ça? Hein? Vous écoutez ça. Vous écoutez les vérités sur la crise anglophone. Il explique là que il y a eu plus d'une vingtaine de morts par un groupe amazonien, frère. Il y a eu une vingtaine de morts. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas? Vous ne demandez pas à ces gars d'arrêter ça? Pourquoi vous ne demandez pas 23 personnes be killing bull by this group? Vous voyez un peu? Il reconnaît. Donc moi, je suis là pour vous dire que la crise anglophone, ceux qui ont le souci du non-sou doivent s'attaquer. Ceux qui veulent que la crise anglophone s'arrête doivent avoir le courage de dire aux sécessionnistes, arrêtons la guerre. Vous comprenez? Ils doivent avoir le courage. Oh là là, ça me dérange.